Bonsoir. Pour commencer, Gabriel Garand, l'ange divulgué. L'homme est fait pour plusieurs voyages. Celui-ci a commencé autour de mes 17 ans, un chemin latéral à tout ce que j'ai entrepris ensuite. Pérégrination, diversité, gardien de chèvres, coursier d'usine ou veilleur de nuit, avant que le théâtre m'apparaisse comme la seule issue possible. De Sartre à Duras, de Honeil à Tchekhov, de Chikaya Utomsi à Larry Tremblay, d'Emily Dickinson à Aimé Césaire, je n'ai cessé de sillonner les textes, d'immerger dans les fonds abyssaux des manuscrits de Strindberg, d'Adamov ou de Gary. D'une génération fondatrice d'entreprises, de public, de la banlieue à la francophonie, j'ai eu cette maladie d'écriture en marge. Inhibition de l'autodidacte, j'ai continué en coulisses sans rien en dire. L'enfance, encore l'enfance, toujours l'enfance, comme dirait Stendhal. Le feu froid indélébile des griffures reste sous l'épiderme. Nous passons notre vie à chercher ce qui, dès le départ, est en nous, et frissonnant d'avenir, naviguons entre l'incurable et le remédiable. Écrire est un ajout supplémentaire à soi-même, élucidation secrète de son entendement du monde, complexité et chaos, un bout d'âme qui cherche une oreille. J'ouvre quelques extraits d'un journal atypique, entre vie, théâtre, poésie, où sont les frontières? Mohamed Kassimi, L'Orient après l'amour. Je suis née dans une zaouïa, un phalanstère soufi. La seule musique de mon enfance, c'est la psalmodie du Coran et les prières des pèlerins qui affluaient au mausolée de mes saints ancêtres, dont Lalla Zineb, une jeune femme qui a pris la tête en 1897 de la plus importante confrérie d'Algérie, aux grandes dames des religieux et des autorités coloniales françaises. J'ai grandi dans une grande famille qui vouait un culte à la langue arabe et vivait de sa connaissance de la religion. Mon grand-père, chef de Tariqa, avait pour devise l'injonction de Junaïd, un mystique du IXe siècle. Il faut chercher le bonheur jusque dans la catastrophe. Enfant de l'indépendance, je n'ai pas connu la guerre, mais j'ai découvert, comme ceux de ma génération, la langue française. J'ai vu comment le français a imprégné l'Algérie le jour où la France a renoncé dans la douleur à ses possessions algériennes. Adolescent, j'ai sillonné toute l'Algérie avec mon père, un passionné d'Ibn Khaldoun et de Sartre. J'ai découvert avec éblouissement les surréalistes et je me suis mis à rêver d'un dérèglement de tous les sens dans mon univers où la moindre syllabe, les moindres gestes sont dictés par Dieu. Étudiant en littérature française à l'École normale supérieure d'Alger, j'ai eu de merveilleux professeurs qui ne juraient que par Althusser, Barthes et Todorov. L'été, j'allais écouter Léo Ferré au théâtre de Sidi Farouk. Il riait aux éclats quand la salle, pleine à craquer, reprenait avec lui, et en arabe dialectal, « Ni Dieu ni maître ». Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n'avons rien vu venir. De Nancy Houston, un extrait de Nord perdu. 25 ans, cet automne, que j'habite la France. Je suis arrivé en 1973, et là, à l'heure où j'écris, nous sommes en 1998. Un quart de siècle, le temps passe. C'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que tout est relatif. Pays jeune ou pays vieux, petit enfant ou vieille personne,
ces choses n'existent pas dans l'absolu, puisque même pour les idiots, le temps finit par passer. Il suffit d'attendre. Il transforme les jeunes en vieux, pays et gens, qu'on le veuille ou non, plus de la moitié de ma vie. Si j'étais né en 1973, je serais déjà une adulte, une jeune femme de 25 ans. Mais voilà, ah, c'est là que le bât blesse. Je ne suis pas né en 1973. Et ce n'est pas, mais alors pas du tout la même chose que de passer dans un pays les 25 premières ou 25 autres années de sa vie. Le Nord. Le Grand Nord a laissé sur moi sa marque indélébile. À quoi ressemble cette marque? De quelle nature est-elle? En quoi suis-je encore l'enfant de mon pays? En tout. Pour la simple raison que j'y ai passé mon enfance. Or, rien ne ressemble à l'enfance. On n'en a pas deux. Et quoi qu'on en dise, même avec la maladie d'Alzheimer, on n'y retombe pas. Même si je vis en France depuis plus longtemps que, par exemple, mes enfants, ça va de soi, je ne serai jamais aussi française qu'eux. Dans la famille, tout le monde est français. Mais c'est comme l'égalité. Il y en a qui sont plus français que d'autres. Nés en France, les rejetons d'une Canadienne et d'un Bulgare sont français sans problème et sans complexe, grâce au taux relativement bas de mélanine dans leur pigmentation. Il est évident que la progéniture française d'une Togolaise et d'un Cambodgien aurait plus de mal à se sentir chez elle. Vous sentez-vous française maintenant, me demande-t-on souvent. Les expatriés éternellement exposés aux questions stupides. Cela voudrait dire quoi, se sentir français? À quoi le reconnaîtrais-je? Si ça devait m'arriver un jour. On peut conférer aux êtres d'origine étrangère la nationalité française, les naturaliser, comme on dit pour les animaux que l'on empaille. On peut leur donner des diplômes français, des honneurs français, voire l'immortalité française. Ils ne seront jamais français parce que personne ne peut leur donner une enfance française. Donc, non. Alors, je suis censé continuer avec des extraits de, pour nombre, de L'Ange divulgué, d'autres qui sont appelés à peut-être un jour à vivre sur papier, mais ce qui n'est pas encore le cas. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai sucé mon pouce dans le lit de la guerre. Les journaux d'avant-guerre me servaient de mouchoir. Et les langes du savoir me sont venus par le grand vent des tribulations de l'an 42. Mon premier livre de classe a été Le sale juif, dont on a un jour bafoué ma face d'enfant taciturne. Que mes parents aient leur propre idiome était intolérable au regard des administrateurs du lexique national. Les coupables ont besoin d'inoculer leurs victimes. Je n'avais droit qu'à la grammaire des pauvres. L'alphabet prescrit n'était qu'un éventaire occulte. Leur vocabulaire, une forteresse cuirassée de maximes. J'accédais par bribes de l'ignorance au labyrinthe de leur syntaxe. Le hasard d'un conflit jeta la multitude sous le joug d'une meute de légions métalliques. Des cohortes volantes déversaient le ciel sur la terre. Gendarmes et voleurs, alliés dans une chasse à l'innocent, on plantait des crocs de boucherie à tous les carrefours. Ma cour de récréation était cet univers apocalyptique, tandis qu'on entassait les rescapés dans les cheminées. J'habite un lieu non dit. J'ignore même
Si je vis sous un mauve de lune rousse, j'avance, je rampe, je chute. J'ai pour rumeur voisine les moustiques lustrés du marais. Ce qui bourdonne à ma tempe est un vieux chant yiddish. Je m'avoue, si je le marmonne, je meurs si je l'entonne. En l'aléatoire d'une autre vie, je ne sais si je suis fictif. À la surface d'or, un étang atone, en profondeur, attend le squale. Quelques cailloux pour axiome, ni je pique, point de collégramme, ni âme, ni stram, ni drame, j'emprunte mes versets au diable. Chien dans les nuits sans lune, pour le reste, charbon ardent, galets lancés à la surface, le ricochet déclenche l'orage. Le tourment me jette au fossé, au seigle noir je me relève. On me tue à coups de faucheuse, la gadoue me ressuscite. Vivre avec des valises est le seul voyage possible. Que je marche ou rêve, rira bien qui crèvera le dernier. Donc vous avez compris que Gabriel Garand n'est pas seulement un metteur en scène, mais aussi un vrai poète. Nous nous sommes rencontrés autour de prodiges essentiellement, enfin pour commencer, puisque Gabriel Garand a fait une adaptation de ce petit livre, ce petit roman, et qu'il a créé en 2002 et repris en 2004. Et je vais vous lire un petit extrait donc, du roman Prodige. J'ai dit adaptation, mais ensuite il a fait la mise en scène justement au Théâtre international de langue française. Et voilà, c'est une petite pianiste prodige de 10 ans qui parle, elle s'appelle Maya. Ce matin, je vais lui faire plaisir à Babouchka. Je vais l'épater entre 9h et 11h30, la sixième partita de Bach, par cœur, premier juré. Babouchka se balance comme d'habitude dans la berceuse, faisant semblant de ne pas m'écouter, pas spécialement, de rêvasser comme une vieille dame qui perd un peu la tête. Mais moi, je sais qu'en fait, elle écoute de toutes ses forces. Elle ne manque pas un tri, pas une nuance. C'est bien, n'est-ce pas? Tu vois, je ne me sers même pas de la pédale, c'est pas la peine. Écoute, Babouchka, les notes avancent pour venir danser devant toi. Ah, tu vois, c'est pas super ça? Déjà la toccata dans la poche. J'ai même pas besoin d'y penser, je suis comme ce papillon qui tourne autour de ta tête en ce moment. Il a été apporté ici par le rayon de soleil. Je sais pas comment il a fait pour traverser la vitre. Peut-être qu'il est entré par la porte du jardin quand maman est sortie soigner ses roses. Elle va nous faire un énorme bouquet aujourd'hui, tu peux en être sûre. Il fait beau, du soleil partout, j'aime tellement l'été. Pas toi, Babouchka? T'es contente hein, d'habiter le sud de la France plutôt que dans ta vieille Russie glaciale. Mais j'aime bien tes histoires de neige et de glace, surtout celle de l'ivrogne. Ça me fait rire chaque fois que j'y pense. Quand tes parents sont revenus d'un concert une nuit du mois de décembre, il était minuit passé et il faisait moins 40. C'est dingue, moins 40! Ta maman s'est dépêchée pour rentrer dans la maison, mais tout d'un coup, ton papa a vu un ivrogne couché dans la neige, endormi. Alors il se précipite sur lui et se met à lui tirer sur le bras. « Venez, dit-il, réveillez-vous, venez dans la maison, ne restez pas là, vous allez mourir de froid. » Mais le type dormait et devait être ivre mort parce qu'il ne bronchait pas. Peut-être même qu'il était déjà mort. Son bras était raide et dur comme du bois. Mais ton papa a continué de lui tirer dessus de plus en plus fort. « Réveillez-vous !» Et soudain, il a tiré si fort que le bras lui restait dans les mains. « Macha !» Il hurle à ta mère qui est ressortie sur le perron pour voir ce qu'il retient. « Macha, je l'ai tué !» Alors qu'en fait, c'était une prothèse. C'est là que j'ai appris le mot « prothèse ». Pour de vrai, c'était un bras en bois. C'est génial, j'adore cette histoire, même si elle n'a pas de fin, parce que tout le monde rit tellement qu'on oublie de demander ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que l'ivrogne a fini par se réveiller ou quoi? En tout cas, dans Bach, pour moi, c'est toujours l'été. J'ai jamais compris pourquoi les gens disent que c'est froid, une fugue de Bach. C'est la chaleur même. Tu trouves pas, Babouchka? C'est comme
quand je viens sur le canapé où maman est en train de lire et que je me pelotonne contre elle. Ah, zut, il m'énerve à la fin, ce papillon. Il me tourne autour et m'empêche de me concentrer. Je ne sais même pas comment l'attraper pour l'offrir à Benjamin. Il faudrait que je le fasse sortir par la fenêtre. Babouchka ? Jamais elle dort quand je joue. Elle se balance, elle fume des cigarettes, elle regarde par la fenêtre et pense à des histoires qu'elle me racontera après, mais dormir, non. Babouchka ? Ah, ça alors, Babouchka. Tu es morte, ma Babouchka ? Je viens tout près pour voir. Sa tête est tombée en avant. Eh ben oui, tu es morte. C'est fini. Les nuits de Moscou dans la neige sont parties pour toujours. Je t'aime, ma Babouchka. J'en étais à la sarabande. Écoute. Puis maman qui arrive du jardin, les bras pleins de fleurs. Pauvre maman, elle ne sait pas encore que c'est des fleurs pour un enterrement. Ses mouvements changent tout à coup. Elle a vu. Elle court jusqu'au rocking chair pour vérifier. Le pouls, le souffle. C'est sûr, elle est sûre maintenant. Maya, me dit maman à voix basse, Maya, ta grand-mère vient de mourir. Je fais oui de la tête, mais j'ai envie de jouer la partita par cœur jusqu'au bout pour Babouchka, comme je le lui ai promis. J'ai envie de les garder ensemble dans mon cœur à tout jamais. Pour l'amour de Dieu, Maya, tu n'as aucun respect. Cesse de jouer. Comment peux-tu ? Je te dis que ta grand-mère est morte. Pour toi, ça ne change rien. Elle éclate en sanglots et quitte la pièce en courant. Je la suis, je la trouve effondrée au milieu des fleurs qu'elle a posées sur la table de la cuisine. Mamochka, pardon. Pour moi, c'était ça, le respect. Un extrait de L'Orient après l'amour, et c'est un extrait d'un chapitre consacré à un récit de voyage à Jérusalem. Jérusalem aussi qui est un lieu qui nous réunit tous les trois. On est tous montés vers Jérusalem, un peu par notre généalogie ou par nos écrits également. Le Saint-Sépulcre est partagé entre toutes les communautés chrétiennes. Et chacune y tient une chapelle et un cierge. Entre latins, grecs et coptes, c'est la guerre perpétuelle pour savoir qui franchira le parvis de l'église en premier. Aussi, les clés du lieu sont-elles détenues depuis le XIIe siècle par une famille palestinienne musulmane. À l'intérieur règne une forte odeur d'encens. À droite, un petit escalier qui mène vers le Golgotha. En fait, un petit rocher recouvert d'une dalle de verre. Par un trou cerclé d'or, on glisse la main pour toucher la roche sacrée. Au pied de la roche, un Éthiopien aux larmes couvre de baisers la dalle de verre. Juste à l'entrée du Saint-Sépulcre se trouve une grande dalle de calcaire rouge entourée de gigantesques chandeliers. C'est la pierre de l'onction, le lieu où le Christ aurait été décloué de la croix et pleuré par sa mère. Au fond, derrière des colonnades massives, on voit le tombeau du Christ, une rotonde cerclée de barres d'acier qui en empêche l'effondrement. Entre soudain, un groupe de pèlerins catholiques chinois. Beaucoup ont sur la tête des couronnes d'épines vendues dans le souk à 5 dollars. D'autres portent sur le dos des croix que les franciscains louent à 10 dollars de l'heure et en fonction du poids de la croix. Et tous ont dans les bras des peluches roses. En fait, l'agneau pascal cédait à 8 dollars après marchandage dans le souk. Les Chinois en larmes et en peluches se jette sur la pierre du lavement qui est à l'entrée de l'église. Les Chinois en larmes pleurent. Jésus, Jésus, oh my God, Jésus, Jésus, oh my God. Surgissent en courant des prêtres coptes qui les chassent à coups d'encensoirs. Les Chinois se relèvent apeurés et courent pleurer sur le tombeau du Christ. Et le prêtre copte dit, Seigneur, ces Chinois, un jour ils vont finir par délocaliser même notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, tout à l'heure, c'était les trois textes étaient liés à l'enfance. Là, c'est plus
jeunesse ou l'approche du théâtre. Prison de briques épaisses du fond de la cour, ce qui dégouline du plafond est un croissant. Au clair de lune, avec personne pour s'y pendre. Pour qui prend son petit déjeuner à minuit, j'ai autant sommeil que le jour j'avais faim. Repu de fringale, je cours vers le lit éteint. Mon chat cosaque ronronne sur ma poitrine. Qui dormait avec moi se perd dans d'autres bras. Tête bêche, nous traversions les nuits ensemble. J'en appelle aux maisons écrasées de lumière. Le transistor se revêt d'un oratorio de Brel. Demain, j'astique les fusils de la mer Carrare. Je le sais bien que si je m'endors, je mourrai, que ma nuit serve à la politique des restes. Va falloir encore se chauffer à la guerre froide. Gamme inconnue sur trame nouvelle. J'ai pour atome le bleu de juillet, la militance de Yacine et Gatti, liturgie de manuscrits incendiés pour itinéraire la marche arrière. Je danse avec ma tumeur politique, par la dramaturgie, je tiens chronique, j'ai pour violence de rester fidèle. Ô cœur intrépide du théâtre, la clé tombée des cintres, la cage grande ouverte, je t'offre la scène, les conques magiciennes, les paraboles irrationnelles, le réalisme cruel. Je t'offre l'univers en friche, les baisers du frère et de la sœur, les hautes murailles immaculées, la déchirure de la blouse, les jeux de l'inceste, les outrages soldatesques, l'offense à ta virginité. Je t'offre des vérités simulées, la détection des juifs, la mégaphone des Kazakhs noirs, l'orpheline détresse, le piano au son grêlé, les larmes coalisées du ciel, ton épopée ophélienne. Je t'offre sous les porteuses la nouveauté d'un texte, le proscénium des répétitions, ta venue éblouie sur scène, un ou deux bravos à venir, le cœur d'une banlieue, le théâtre de la commune. Un extrait de Infrarouge qui vient d'être publié. C'est l'histoire d'une photographe reporter de 45 ans qui est en vacances en Toscane avec son vieux père et sa belle-mère. Et peu importe, ça se passe pas très bien. Mais donc c'est un voyage extérieur comme ça. Et puis dans sa tête, elle fait un immense voyage à travers l'histoire de sa vie. Et elle vient de se rappeler, parce que c'est une femme qui a une expérience sexuelle absolument effrayante. Et elle vient de se rappeler comment elle a séduit un chassid dans le quartier orthodoxe juif de Montréal quand elle avait 13 ans. Enfin, elle voulait juste le faire transgresser. Ils sont pas allés très loin, mais elle voulait juste qu'il la regarde parce qu'elle trouvait tellement étrange ces hommes qui refusaient de la regarder. Je suis un péché pour lui, me suis-je dit en m'éloignant, le cœur battant. C'est drôle d'être un péché pour quelqu'un. J'allais le découvrir toujours dans la même incrédulité, en de nombreuses occasions de ma vie adulte, que ce soit à Gaza, à Istanbul, au Vatican, sur le mont Athos,
ou au seuil d'un simple bar-tabac de la banlieue parisienne. Moi, telle que je suis, ne bougeant pas, ne parlant pas, ne faisant rien, ne me dénudant pas, ne montrant pas mes fesses, ne faisant pas un bras d'honneur, ne brandissant pas un flingue, ne vendant ni des kalachnikovs, ni de l'héroïne, ni des films pédophiles, moi, immobile, calme, souriante, debout, le sexe couvert et le visage découvert, je suis un péché pour les hommes qui me regardent en ce moment. Ce n'est pas de leur faute s'ils bandent, les pauvres. Depuis le Cro-Magnon, leur quéquette est programmée pour se lever chaque fois qu'ils posent les yeux sur une femme stoupable. Ils ont les gonades branchées en direct sur leur rétine. Ils s'en passeraient bien, à vrai dire, car ça les fait souffrir. C'est Alioun qui m'a appris ça lors d'un concert de Fela Kuti à Dijon en 1993. Au moment où les sublimes épouses du chanteur ont commencé à danser dos au public, pour ne pas faire de jalouse, Fela les avait épousées toutes, de sorte que pas moins de 27 jeunes filles canons portaient le nom de Madame Kuti. Plus tard d'ailleurs, pour punir le chanteur de ses virulentes critiques politiques, le gouvernement nigérian allait faire violer toutes ses épouses et défenestrer sa vieille maman. Mais tout cela n'avait pas encore eu lieu lors du concert de Dijon. « Ça fait mal !» a gémi Alioun tout près de mon oreille et je ne l'ai jamais oublié. De face, les danseuses semblaient quasi immobiles, ondulant à peine des hanches et des épaules, mais de dos, c'est de façon ahurissante que se démenait leur arrière-train couvert de franges à perles, gigotant haut, bas, au rythme de l'afrobeat endiablé. Oui, je le comprends maintenant, ça leur fait mal aux hommes, pourtant maîtres du monde, de ne pouvoir maîtriser une partie si cruciale de leur anatomie. Ça les énerve qu'elles puissent se mettre au garde-à-vous alors qu'ils ne lui ont rien demandé, ou refuser d'esquisser le moindre mouvement quand ils en ont le plus urgemment besoin. D'où leur tendance à se cramponner aux choses qui demeurent rigides de façon fiable. Fusil mitrailleur, médaille, attaché-case, honneur, doctrine. Ils n'aiment pas sentir leur chair telle est commandée par la chair féminine. Ça leur fait peur. Leur peur les met en colère. Et les effets de cette colère sont partout palpables. Incapables de contrôler leur propre corps, ils contrôlent celui des femmes en le déclarant tabou. Pour prolonger infrarouge, et d'autres passages que Nancy n'a pas lus, une lecture d'un extrait d'un ouvrage écrit d'après le témoignage de la comédienne libanaise Darin Al-Joudi sur son enfance dans la guerre du Liban de 75 à 90 et qui s'intitule « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter ». J'ai connu Maher, un jeune homosexuel de 20 ans. Il voulait faire médecine aux États-Unis. Il avait des cheveux blonds, il habitait une chambre minuscule dont le toit, les murs et le sol étaient peints en rose. Je parlais beaucoup de sexualité avec lui. Je venais d'avoir 16 ans. Il me racontait ce que disaient les hommes libanais sur les femmes, comment ils se vantaient de faire sauter leur hymen comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Ils ne disent pas « dépucelé », mais « cassé », « décapsulé ». Et quiconque ouvre une fille, elle lui appartient à vie. Je pensais alors au marquage du bétail que je voyais dans les films américains et je trouvais cela scandaleux. Maher m'a rassuré. Écoute-moi, tu n'as qu'à le faire toi-même. Mais c'est difficile, Maher. Ce n'est rien, c'est plus fin que du papier à cigarette. Ah bon ? Moi qui croyais que c'était un bout de chair, pareil à un steak. Maher était une encyclopédie, il connaissait tout, des hommes et des femmes. C'est lui qui a fait mon éducation. Je passais des journées chez lui à visionner des films porno et il me commentait les avantages de chaque position. Il m'a appris que la fellation était le plaisir préféré des hommes. Il m'a initié à le faire sur un concombre. Voilà, il faut que tu te mettes bien dans la tête que la fellation est un art, tout comme le chant, la peinture ou la gastronomie. Au début, tu prends délicatement le sexe, tu le tiens bien en main. D'abord, la langue doit juste effleurer les testicules à petits coups, puis elle doit remonter le long de la verge. Lentement, il faut la lécher comme une glace. Enfin,
Tu prends le gland, tu passes la langue autour, et ce n'est qu'après ce long prélude où rien n'est forcé, où tout est fait du bout des lèvres et de la langue, que tu peux prendre le sexe entièrement dans ta bouche. N'aie pas peur des éjaculations, ma petite. Le sperme n'est pas nocif, il contient deux types de vitamines, C et B12, mais également de nombreux sels minéraux tels que le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc. Il contient aussi deux sucres, le fructose et le sorbitol. Dis-toi aussi que le sperme est riche en protéines, en sodium et en cholestérol, et il faut que tu saches également que la valeur calorique d'une éjaculation moyenne varie entre 15 et 30 calories. S'il t'arrivait d'avaler par hasard, tu ne prendras pas un gramme en plus. Je ne l'ai pas laissé finir son récit. J'étais amoureuse d'Ara, un Arménien aux yeux verts. Je savais qu'il passait ses journées au bain militaire. J'ai sauté dans un taxi. Il était effectivement sur la plage. Je l'ai pris par la main et je l'ai emmené dans une cabine. Sans lui dire un seul mot, je lui ai arraché son maillot. J'ai pris son sexe dans la bouche et, pensant au mot de Maher, comme à une recette de cuisine, quand j'ai senti le sperme dans ma bouche, je n'ai pas eu le courage de l'avaler. Maher m'avait prévenu, aucune Libanaise n'est assez libérée pour le faire. Je l'ai recraché et j'ai vu Ara écrouler la bouche ouverte, les pupilles dilatées, les bras en croix murmurant, « Seigneur, que c'est beau, merci Seigneur pour cette offrande. » Moi, je n'avais rien senti, c'était une performance, un tour de main purement technique, du travail artisanal bien fait. Et la nouvelle s'est vite répandue dans le groupe. Toutes les filles du bain militaire sont venues me voir pour que je les initie. Comme mes parents étaient à Tunis, j'ai commencé à donner mes premiers cours de catéchisme sexuel à mes copines du Carmel Saint-Joseph pour 5 dollars de l'heure. Elles étaient assises en cercle dans le salon et moi, pareil à une prêtresse armée d'un concombre, je répétais mot à mot les cours de Maher. « Sachez, mesdemoiselles, que la fellation est un art, tout comme le chant, la peinture ou la gastronomie. » C'est facile après. Moi, le désigné du doigt, celui dont le nom n'existe pas, le visage incolore et liquide, dans un chuchotis d'anguilles, j'ouvre des serrures de papier. À moi viennent les murs, lampes renversées, des archets fulgurants me traversent l'œil. Ce que je sais perd toute évidence. Les lucarnes ont beau m'offrir leur hanche, l'ignorance dans la nervure gauche de ma main. Je me coule dans l'eau bleue du marbre. Des vénules argentées charrient des fleuves de glycine. Et là où les toupies s'arrêtent, faute de tolérance, où les rubans ne sont plus que des reptiles éteints, je lèche ce que le ciel offre de plus persistant. Je me maquille dans l'ocre nègre de comédiens obscurs, une lumière occultée qui se meurt sans regard public. Cette anomalie d'écrire dans l'automne de mon énigme. Peut-être est-il une tempête quand vient le jour des morts. C'est dans la douleur qu'existe le relief des auréoles. À qui, à quoi ressembler dans la convulsion des aléas, un manteau d'arlequin où s'enlise un corps de poète, sans baiser réel et sans autre lecteur que soi-même. Et voici que l'antique machine à tordre les pensées, l'instrument à moudre le feu de le peu de soleil que l'on a en soi, le caillot au centre du corps où le sang naît et meurt, la pendule universelle où le pouls n'est que ressort dérisoire, ce delta foisonnant aux mille et un canaux convulsifs, ce moignon maladif
à la dérive qui me sert de cœur pervers, cette pompe irriguant le corps, courant de la nuque aux chevilles, cette grande foireuse abusive de carrousel à sentiments, tout engorgée qu'elle est de dépôts, d'alluvions et d'intempéries. Voici que cette marâtre artérielle, viscérale, malveillante, cette matrice biologique polluée, compacte et frigide, cet arsenal de broussailles au miasme irrespirable, cette énigme recroquevillée sur des solitudes constantes, cette globule rougeâtre qui n'était plus qu'une bouée de sauvetage, la maligne, la rechignante, la mélasse, la déconcertante, ma généalogie, enfin ressaisie dans le souffle unique d'une rencontre, par la grâce d'un séisme imprévisible, s'est remise à battre, délirante, émerveillée et juvénile, comme au premier jour. Un petit extrait d'Infrarouge. Elle note on entend ses rêves aussi. Quand elle se réveille le matin, elle se rappelle ses rêves. Et là, elle vient de faire un rêve sur une torture épouvantable et elle se réveille bouleversée. Sortant du lit, elle voit, et c'est un choc venant dans le sillage de ce cauchemar, des taches de sang sur sa chemise de nuit et sur son drap. Suté, flûte, peste-t-elle. Ce n'est pas le moment. J'ai eu pleinement et très écarlatement mes règles, voici 15 jours à peine. Elles n'ont pas le droit de venir me persécuter jusqu'en Toscane. Je n'ai pas apporté de tampon. Qu'ont-ils mes ovaires à déconner de la sorte? De plus, trop occupée à se torturer, elle n'a pas entendu sonner le réveil. Il est 9h30 et elle a rendez-vous à Auto Escape à 10h. Comment faire pour laver ses affaires, boucler ses valises, aider Simon et Ingrid à descendre les leurs, acheter des Tampax, super, et se les mettre, deux, et peut-être un Kotex pour faire bonne mesure. Tout cela en l'espace d'une demi-heure. Très, très déréglé ces derniers temps. La préménopause, peut-être, suggère sa voix intérieure avec malice. Ben oui, après tout, j'y arrive. Pas encore les fameuses bouffées de chaleur, mais déjà les sueurs nocturnes. Une des explications, sans doute, de mes insomnies. Et quand j'ai demandé à Kerstin combien de temps allait durer cette affaire, elle m'a répondu, je ne me rappelle pas, au juste, 7-8 ans. 7-8 ans ? Tu plaisantes ? Non, pourquoi ? Tu n'es quand même pas en train de me dire que je suis censée supporter ces tracasseries en fermant ma gueule pendant les 100 mois qui viennent ? Oh, ça, ma chère, il y a peu de chance. Quoi que tu fermes ta gueule? C'est tout un art, laver le sang des règles. Il faut agir vite, de préférence avant que le sang n'ait eu le temps de sécher, et l'eau ne doit être ni trop chaude, ni trop froide. Souvenir de lavage matinal ou vespéral de draps, coin de drap, couvre-lit, sac de couchage, culottes, jupes, collants, pantalons et robes, depuis plus de 3 décennies, dans des chambres d'hôtel, appartements, lofts, salles de bain, de camping, taudis, caravanes, et l'indignation de Samuel, mon amant cantor, barbu. Quand, après nos premiers ébats maladroits, il a épié un peu de sang sur le drap, puis sur son pénis ramolli, j'ai vu son mouvement de recul. Il a sauté hors du lit, épouvanté. Réna ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Non, non, je n'étais pas vierge, ne t'inquiète pas. Tu as... Ah, bah, comme tu vois. C'est juste le début. Elles ont commencé ce matin. Tu veux dire que tu te savais impur ? C'est sciemment que tu m'as fait transgresser une des lois les plus sacrées de ma religion ! Drôle de crescendo, chaque mot de cette question était plus fort que le précédent et le mot « religion » était carrément hurlé. Je me rappelle encore la bouche ouverte de Samuel au milieu de sa barbe, hurlant le mot « religion ». Là, je me suis sentie très, très agacée. Et ben voilà, et je dis en haussant les épaules. Faut s'attendre à tout quand on fricote avec une goye.
comme on dit pour les femmes, une Goya, pardon, une Chix. Même si Samuel avait décidé que j'étais stoupable en raison de mon nom juif, je savais que ce qui l'attirait en moi était ma goyité. Ma mère était goy, donc moi j'étais goy, et sans se l'avouer, il avait eu envie de s'envoyer une goy. Ça me déçoit toujours quand la baisse me diminue au lieu de me grandir, quand elle me coince dans une seule facette de mon être au lieu de me multiplier et me révéler géante. T'as voulu stouper une chix, faut accepter les travers qui vont avec. Travers de porc. Désolée. Les chix ne considèrent pas le porc comme impur et elles ne se sentent pas impures quand elles ont leurs règles. Que vas-tu faire maintenant pour te purifier, pauvre cornichon ? Samuel, qui s'était rhabillé pendant ce temps, me dévisageait avec horreur. Tremper ta bite dans du lait d'ânesse vierge ? Demander pardon à Abraham ? Le cantor a détalé sans demander son reste. Ça se passait dans ma chambre d'étudiante, rue de Maisonneuve. Plus tard, la même année, je me suis retrouvée dans la même paire de draps avec François, mon prof de français à Concordia, un catholique avide de me stouper parce que j'étais juive. Pendant nos débats, il n'a cessé de répéter en haletant : « T'es vraiment juive, hein ? Te l'aimes-tu, ma bison de goy ? Te l'aimes-tu ? Ah, Jésus-Marie, Joseph, j'en reviens pas. Je suis en train de fourrer une hostie de juive à mon main. Si tu me voyais, mon main. Je fourre une hostie de juive, les gars, je vais venir. Ah, Christ, ça vient, ça. Ah, 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 ah. » À la suite de quoi, en se lavant, il a fait d'insupportables calembours sur le prépuce à l'oreille. 15 jours plus tard, j'ai compris que j'étais enceinte. Donc, pour la transition... Pardon à Abraham. Donc, on va vous lire avec Nancy des extraits de la confession d'Abraham qui avait été créée, il y a une dizaine d'années, au Festival des francophonies de Limoges. C'était beau l'Euphrate, et Sarah était plus belle que le fleuve, avec ses longs cheveux noirs, ses yeux d'ambre, son visage de miel et son corps en musc. Un soir, je m'en souviens très bien, c'était le deuxième mois de la troisième année, je suis sorti consommer mon arrosette devant la tente. Sarah s'était endormie, mon bol de fruits était chaud, le soleil se couchait sur l'Euphrate. Ce jour-là, mes fruits n'avaient pas assez de goût. Pourtant, Sarah ne se trompe jamais dans le dosage des épices. Je me suis relevé pour aller chercher un bol de cannelle. J'ai senti alors la terre se dérober sous mes pieds, le ciel s'est brisé en deux. Une comète a éclairé la nuit de Mésopotamie avant de retomber non loin de moi. Il y a eu une colonne de fumée noire et blanche et des tremblements. Couvert de ténèbres et de crainte, je relève péniblement la tête et je vois, assis sur un rocher, un géant aux ailes blanches. Sa tête frôle la voie lactée, ses vêtements sont tissés de perles et de fils d'or très purs. Ses mains sentent le nard et le safran. « Bonsoir Abraham, n'aie pas peur, je suis Gabriel, l'archange Gabriel. » Dieu m'envoie vers toi, il t'a vu 1000 fois entrer dans le fleuve et en ressortir sans connaître le moindre changement. Toujours le même troupeau, toujours la même tente. Dieu t'offre une autre terre arrosée d'autres fleuves de miel et de lait. Mais tu dois tout quitter, Ur, ta maison, celle de ton père et tous tes amis. Sarah, Sarah, réveille-toi, Dieu nous demande de partir. Ma belle, nullement impressionnée par le séisme, demande alors, avec la tranquillité et la nonchalance qui font tout le charme de l'Orient, « Où as-tu croisé cet inconscient qui veut te faire quitter le fleuve au moment de la crue ?»« Non, il a dit qu'il m'a vu en train de regarder le fleuve, alors il m'a aimé et il veut m'offrir une terre. Ah, »« T'as regardé en train de regarder le fleuve et alors il a dit « Je t'aime tout de suite. » »« Heureusement qu'il n'est pas tombé amoureux de ta mère, M'Telaï, la fille de Carnabo. » Elle aussi, elle passe ses journées à tricoter face à l'Euphrate et à dire du mal de tout le monde. Tu imagines la tête de ton pauvre père, Terak, sur le marché ? Alors, Terak, il paraît qu'Emtelaï a fait une petite dormition suivie d'une grande ascension avec un dieu. Moi, je te le jure, je me serais cachée pour de bon.
je n'aurais jamais eu le courage d'affronter les voisins. Et toi, comme tu aimes ta mère plus que tout, même plus que moi, j'en suis sûre, t'aurais fait la crise de jalousie. T'aurais tout cassé dans le temple, les autels, les dieux et la gueule au prêtre. Alors, toute la famille se serait jetée sur toi pour te clouer sur des planches avant de te noyer dans le fleuve. T'aurais fait un beau martyr. Tous les adolescents des banlieues de Ninive et de Haran, subjugués par ta haine, auraient inventé une secte pour perpétuer ta mémoire, NTM, les nouveaux transfuges de Mésopotamie. Et comme ton pauvre père de charpentier n'a pas de situation, ils auraient déclaré Mtelai vierge pour la donner en mariage à Dieu. La foi, mon frère, c'est comme les affaires. Plus tu investis gros, plus tu amortis vite. Et moi, il m'aurait transformée en fille de joie, touchée par ta grâce, essuyant avec ma chevelure ton cadavre à peine rejeté par l'Euphrate. Et comme nos artistes imitent tous les barbares du Nord, ils auraient sur les fresques teint en blond mes longs cheveux noirs et en bleu mes yeux noisettes. Excuse-moi, Abraham, l'histoire aurait pu être tellement belle que je pleure d'avance. Et ma belle a continué. Ce Dieu, pourquoi il t'offre une terre? Tu n'as pas toutes celles de la Mésopotamie rien que pour toi seule? Tu es libre de gambader du golfe au mont Taurus et du lait. Tu crois que j'ai besoin du bon Dieu pour aller traire mes chèvres? Du miel. Tu attends d'être prophète pour savoir que le meilleur est fait par notre voisin, Enkidu. Allez, va lui dire merci et reviens vite te coucher. S'il n'est pas content, ça ne fait rien. Des dieux, il y en a plus de 2000 à l'intérieur du temple. Demain, on ira en choisir un autre, je te le promets. Je t'en offrirai un beau en albâtre. Ma demi-sœur, mes yeux, je crois que tu n'entends toujours pas ce que je te dis. Ce Dieu n'est pas comme les autres, il voit sans être vu, il ne connaît ni de sommeil ni d'assoupissement, il n'habite pas la ziggourate mais le ciel. C'est lui qui donne la vie et la reprend, c'est lui qui étouffe la nuit et fait respirer l'aube, c'est lui qui a bâti au soleil sa demeure parmi nous, il est l'un, il est l'unique. Mon demi-frère, à ta place, je ferai très attention. Un dieu, c'est comme un enfant. S'il est l'unique, ça veut dire qu'il est gâté. Colérique, névrosé et peut-être même fou. Il peut devenir une calamité, non seulement pour les parents, mais aussi pour les voisins. Et si tu ne cèdes pas à ses caprices, il risque de t'accuser d'avoir la nuque raide et de te frapper fort. Évite-le si tu veux finir tes jours heureux. Tu me diras que ce n'est qu'une appréhension de femme. La terre s'est mise à trembler de nouveau. Devant la tente, Gabriel s'impatientait. Abraham, je n'en peux plus, je dois rentrer au ciel. Demande-lui ce qu'elle veut. Comment tu ne sais pas ce que je veux et lui non plus? Tu as 75 ans, j'en ai 66 et nous n'avons toujours pas d'enfant. Je suis devenue la risée de toute la ville. Chaque matin au marché, j'entends les mêmes réflexions. Pauvre Sarah, une femme si belle avec un ventre si plat, quelle tragédie, quel drame. Comme elle est malheureuse, on dirait qu'elle pousse comme un oignon, la tête en bas. Je suis sûre qu'elle a été frappée par un mauvais œil. Elle dépérit, elle ressemble à un calendrier, chaque jour lui arrache quelque chose. C'est le mauvais œil, je te dis. Elle devrait essayer des fumigations de benjoin. De loin, Gabriel me lance. Le Seigneur a tout entendu, il te dit. Abraham, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. C'est ainsi que je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les grains de sable des déserts et de la mer. Et je te laisserai l'éternité pour la compter. Sarah s'avance alors à petits pas vers l'archange. Je suis très émue, bouleversée même par cette promesse, mais on dit chez nous, les paroles de la nuit sont pareilles au beurre. Dès que le soleil se lève, elles fondent. Je préfère avoir une petite assurance. Vous devez être au courant, nous venons juste d'inventer l'écriture, alors nous prenons soin de tout graver. Serait-il possible d'avoir une signature en bas de cette tablette d'argile? Je sous-signais, comme je ne connais pas son nom, je mets au hasard YHW. C'est pas la peine, je mets rien. Donc, je sous-signais, silence, m'engage sur l'honneur à fournir à Sarah et Abraham Dour un enfant dans un délai de 9 mois au plus tard et même avant si c'est possible. Fait à Our le jeudi 27 Nissan de l'an 1804, avant la naissance de l'arrière-petit-fils qui va comprendre. L'arrière-petit-fils qui va comprendre que le seul moyen de ne pas être déçu par Dieu, c'est de prendre carrément sa place.
Gabriel lui arrache la tablette, l'efface d'un coup d'aile et la lui rend gravée d'un verset en lettres de feu. Toute grandeur réside dans le départ. En tant que Gabriel. J'ordonne et je ne sais rien. Je conduis en méconnaissant les règles, j'arbore mes insuffisances, j'incompétence mon pâle savoir, j'accapare la rive et j'érige l'écume. J'affirme entendre, je ne fais que m'écouter. J'emprunte sans rien restituer, j'officie en ossifiant autrui, je plafonne en croyant l'éviter, j'inflige mon éminence à partir de ma nullité. Je jargonne un langage qui n'est nullement le mien. Je jacasse, je pérore, je vaduce, je trissote, j'époustoufle, je jactance et je jocrisse. Je cuistre et croasse, croyant culturé, jargonote sans rime, ni raison, ni jason. Je bazar un bordel de bizarreries théâtrales. Je désagrège la scène à coups d'agrégés jobards. Je m'origène, je m'abomine et je m'horripile. Je cloaque au nom de l'art. Je jappe comme un chien des arnaques de Jéhovah. J'hermione, jocaste en niant Gerstenkorn. Jouis sous le joug et j'orgasme, je jugule le seul jet jaculatoire, à savoir le génie jubilatoire de l'unique lettre A, et que des Antonins et des Arthurs en sont morts. Cette nuit, les larmes ont tué les étoiles. J'ai déchiré l'arc sombre de la nuit, la perle offerte fondue au miel amer. Ma vue s'est arrachée à la paupière, une ride de plus sur le cœur lacérée. Je vous offre une déchéance brûlante, saute-mouton par-dessus les frontières. La levée du jour teintée de pourpre. Lisez bien ces quatre lettres T, I, L, F. Adieu, Québec, Afrique, Maghreb. Et là, il y a environ 18 mois, un certain accident. J'écris ceci à cette époque. Texte que l'on s'envoie à soi, un envol de lumière de papier au milieu de la tenaille de la nuit, un je ne sais quoi d'espérance, insomnie plus crédible que le Temesta, horizon derrière la pliure des volets, je n'accède pas encore à mes jambes, au-delà du mur, une moto me fusille. Pourtant, je cours après mes rêves, main mise et la main droite valide, un index, un majeur, à l'assaut du ciel, et plus magnanime que tout le reste, sur ma vie, ta chevelure éparpillée, nos blessures ont tant besoin d'un visage. Et si le soleil existe, ben j'existerai aussi. Merci Gabriel. Donc pour finir cette balade, un extrait de Terre Sainte. Gabriel Garand m'avait fait vraiment le plaisir et l'honneur de travailler dessus en premier. Voilà. Et donc c'est
le dialogue, ça se passe dans des territoires occupés en pleine guerre, et c'est le dialogue entre un homme, Yad, et sa femme durant un bombardement. Il faut que je te dise. Je sais. Tu sais quoi? Je sais d'avance tout ce que tu ne me dis pas. C'est vrai. Ça nous fait 30 ans. Quel amour! 30 ans d'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est de la fonction publique. Tu te souviens de tout? Je me souviens de tout. Qu'est-ce qu'elle porte comme chaussures, Imen? Des chaussures noires en chèvre avec des lacets très fins. Le lacet du pied gauche commence à s'effilocher. Le talon du pied droit est légèrement élimé. Et notre première rencontre, tu t'en souviens? Ah non, pas ça. Qu'est-ce qui te prend, Yad? Mais tu sais bien, les souvenirs de couple, ça me donne des rhumatismes. On en a vu des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, surtout? Est-ce que tu m'aimes toujours? À la folie, comme d'habitude. Je ne le sens pas vraiment. Je ne peux pas faire plus que ça. Pourquoi? C'est la guerre. Elle a bon dos, la guerre. Il faut bien qu'elle nous serve à quelque chose.